Tout simplement parce qu'il n'y a pas que à la capitale et la plus belle ville du monde qu'on fait du sport et qu'on étudie. Partout en France, il peut y avoir des écoles. Et là où il y a des étudiants qui aiment le sport et qui veulent en faire leur métier, il y aura des écoles Media School of Sport, tout simplement. D'abord Paris, tout simplement parce que je suis parisien et qu'on a gagné la candidature de Paris 2024. Et c'était important d'avoir quand même le vivier principal à Paris. Et comme cette belle aventure a bien pris et que on a eu énormément d'étudiants et surtout beaucoup de demandes, on a décidé d'ouvrir, d'élargir un petit peu. Et on a commencé avec Toulouse derrière et ensuite avec Rennes. Rennes, parce que c'est la Bretagne et parce que j'aime les crêpes aussi. Mais voilà, pour que vous sachiez, il va y avoir encore d'autres écoles parce que on a une forte demande en termes d'étudiants et je suis content parce que c'est vraiment ma façon à moi de redonner au sport. En tant que co-président de la candidature Paris 2024, on s'est dit comment on va faire pour préparer ces Jeux Olympiques et qu'est-ce que des gens qui aiment le sport aimeraient faire. Et on a pensé à des études, à les préparer à des métiers d'avenir dans le sport, comme la communication, le management, la logistique, l'événementiel. J'ai choisi l'aventure Media School tout simplement parce que ça a été déjà une rencontre humaine avec Franck Papazian et ses équipes. Et puis derrière, c'est avéré que Media School était l'un des meilleurs, en tout cas, tout ce qui concerne la scolarité des étudiants, le programme des étudiants. Et moi, j'aime bien me mettre et travailler à côté des mecs qui sont forts dans ce qu'ils font, qui sont les leaders. Et je ne regrette pas mon choix, ça se passe super bien. Et je crois que nos étudiants sont contents.